Right, right, just là. Donc, si vous avez besoin de ça, vous pouvez vous donner chuchoter. Donc, il y a Monica ici, là. Monica, elle lève ses bras. Donc, faites-lui signe si vous avez besoin de ça, vous pouvez Also, if there's anyone, when, like, we're going to have a few speakers here, and then we're going to march. But if there's anyone here who can't walk the entire way but wants to make it to the second destination, there is a car available to transport a few people. Someone named Ewan is standing just at the end on the left here, just at the where the end of the people are on the grass. And Ewan, okay, there's a hat waving in the air there, and there's a car across the street. So if you do need transportation, just go to Ewan. En cours de route pour la marche, je voudrais avoir accès à une voiture. Et à l'autre bout, si vous avez des salines tout à l'heure, la voiture est juste derrière. Donc, il peut vous dire quelle voiture il va et tout ça. Donc, si vous avez besoin en cours de marche, le transport, il est disponible. We have a lot of amazing guests here tonight, and I don't want to take up too much time. But I also wanted to announce Amnesty International has printed some postcards for Justice Stephen Harper, and they're being handed out. They look like this. If anyone is interested in taking that kind of action, there's place for your own personal message. Let's just put it that way. So those are being handed around. Des cartes postales d'Amnesty International qui sont en train d'être distribuées à tout le monde. Un côté en français, un côté en anglais. C'est pour cette affaire. Donc, si vous avez même un petit message personnel à lui écrire dans le bas de la carte, il y a un espace juste pour vous pour personnaliser votre message. Gentiment, s'il vous plaît. I really wish we didn't have to have this march and this vigil. I really wish that this was the last one we would ever have, and that I would never hear from another case of a missing or murdered Native woman or girl ever again, because I'm getting really, really tired of it. And I'm happy to see all the people are here, all the support. I feel as though there's been tons of, there's still a lot of attention that needs to be drawn to this problem, this deeply systemic violence against Indigenous women and communities that's happening in Canada right now, this land that's many are still in Canada. But even though a lot of media attention has been, there's been a bit of a media storm this year in particular because certain things have happened. Native women and Native communities have been drawing attention to this violence, these unchecked levels of violence for, one could say decades, but if we're going to be real, we can really say centuries. Even though there's been renewed attention and renewed pressure on the government to actually implement this national public inquiry that families and organizations have been demanding for so many years now. We hope that this year there's enough pressure for that to finally happen, and that action actually takes place after that as well, and change actually happens. I think for that to happen, a lot of the systemic nature of the violence really needs to be acknowledged. I know I wrote down some other points, but I think that kind of covers what I'm trying to say. So I'll pass it over to you guys. Ok, je ne vais pas traduire tout ce que Maya a dit parce que j'ai aussi bon point à apporter. Bon, si on est ici aujourd'hui, la 9e vigile et la 9e marche, on s'entend que comme Maya a dit, c'est trop. On devrait pas être ici présentement. Ça devrait être. Je ne sais pas comment le dire. Ça devrait être un moment joyeux de rassemblement. C'est pas là, on est là pour. Comme il y a des personnes qui sont disparues, qui sont décédées, assassinées. Il n'y a pas de mots doux pour expliquer ce qui se passe présentement. L'an dernier, à part de la GRC, qui est partie récemment, il y a 1181 femmes autochtones disparues.
disparu et assassiné. Donc c'est 1181 raisons de trop. C'est 1181 raisons de trop et qui devrait, que le gouvernement à part devrait se réveiller de voir que c'est parce qu'on est des femmes, parce qu'on est autochtones, parce que la justice ne se fait pas adéquatement, que nos filles, nos soeurs et nos mères ont des cibles dans le front. Je ne pense pas que s'il y avait 1181 femmes blanches, désolez-moi, excusez-moi pour dire un mot blanc ou à l'autre femme, peu importe, mais si la fille du ministre Harper vient à disparaître, la fille d'un de ces ministres, je pense que c'est beaucoup plus vite pour avoir une enquête publique nationale, puis qu'on demande, parce qu'on est femmes et autochtones et qu'on met des croix faciles, on demande à ce qu'il y ait un plan d'action nationale spécifique aux nations, parce que chaque nation n'est pas identique une à l'autre et on a tous des problématiques différentes, même si on se ressemble tous. On est tous des sœurs, on a tous des filles, j'ai moi-même trois filles, et j'ai pas envie d'être ici dans 10 ans en montrant la photo de ma fille parce qu'elle va avoir été disparue ou elle va avoir été retrouvée morte dans un tel niveau ou quelque part. On ne devrait pas avoir à draguer des rivières partout à travers le Canada. Les familles ne devraient pas avoir à chercher eux-mêmes leurs filles, leurs soeurs et leurs mères qui sont disparues. J'aimerais juste que pour une fois, on nous entende. Et c'est pas parce qu'on est femme, parce que c'est pas parce qu'on est autochtone qu'on a le droit de se faire blesser et qu'on a le droit de disparaître.